Passionnés du livre, bonsoir et bienvenue sur le plateau d'Expression Livre. Notre invité de ce soir, Amezian Farhani, journaliste, écrivain, notamment un magnifique ouvrage paru chez Deliman intitulé « Histoire de la bande dessinée algérienne », une anthologie de l'histoire de la bande dessinée algérienne depuis 62 et même parfois bien avant 62, mêlant non seulement bande dessinée mais également caricature. Et puis je ne sais pas ce qu'il lui a appris, Amezian Farhani. Un jour, il s'est dit, bon, j'écris dans les journaux, des chroniques, des critiques. Je vais aller me lancer dans l'écriture. Et c'est l'écriture qui est parmi les plus difficiles, c'est-à-dire la nouvelle. Et nous avons eu la chance de pouvoir lire Traverse d'Alger, une série de nouvelles. Et aujourd'hui, il nous revient avec une autre série de nouvelles, 13 très exactement, Les Couffins de l'Équinoxe, paru aux éditions Shihab. Amezian Farhani, bonsoir. Bonsoir, Youssef. Alors, bon, on va se vous voyez, se tutoyer pendant l'émission, on ne sait pas comment, pourquoi, ça dépendra de l'atmosphère. Parce qu'on se connaît depuis tellement longtemps. Faisons comme dans la vie. Ouais, peut-être 40 ans, presque. Il vaut mieux pas compter. Bon, ne comptons pas. Ceux qui aiment ne comptent pas. Absolument. Alors, tout de go, il y a un exergue, une phrase de ce grand poète, philosophe latin, Terence, qui dit « Je suis un homme, je suis homme, et rien de ce qui est humain ne m'est étranger. » Pourquoi avez-vous choisi cette phrase pour, en liminaire de votre ouvrage? Bon, d'abord, un petit point quand même. Mm-hmm. Je n'écris pas depuis ces dernières années. En fait, j'écris depuis l'âge de 10 ans. Oui, mais vous n'avez jamais publié. Donc, je n'ai pas publié. Mais je pour moi, ceux qui n'ont pas publié, maintenant qu'ils écrivent chez eux... Non, mais je voulais dire par là que je n'entre pas en écriture littéraire. Non, de toute façon. Mais vos chroniques et vos critiques ont un ton qui est déjà celle d'un écrivain. Je ne suis pas l'audateur, là. Oui. Mais c'est vrai. Ben, ça me touche et... Je suis bien content de le savoir. Pour revenir maintenant à la phrase, à la citation de Terence, je l'ai mise pour une raison, pour plusieurs raisons. La première, c'est que mon premier recueil de nouvelles, Traverse d'Alger, ouais, comme son titre l'indique, se passe entièrement à Alger. C'est la ville où je suis né, où j'ai grandi, à part quelques absences relatives, disons. Et le présent recueil, Couffins de l'Équinoxe, lui se passe partout ailleurs qu'à Alger. C'est à la fois à l'intérieur du pays, c'est-à-dire le Sahara. Non, il n'y a pas ni unité géographique, ni unité de temps. Absolument. On passe d'une époque à une autre et on parcourt la planète, en fait. D'où ce terme de Couffins de l'Équinoxe. Bon, qui réfère à une des nouvelles, la dernière du recueil, laquelle avait paru en partie dans Algérie Actualité en 82. On avait fait avec Tahar Djaout Layarhamon un dossier. C'était à la même période, le printemps arrivé, on s'est dit qu'est-ce qu'on va faire comme dossier. Et on avait dit on va faire un dossier sur les Algériens et le printemps. Et j'avais écrit cette nouvelle, elle était déjà écrite. Donc on a publié un morceau de cette nouvelle. Donc quand j'ai repris le titre, parce que équinoxe c'est le cosmos, c'est le solstice, c'est la dimension planétaire. Et donc les couffins de l'équinoxe, les nouvelles histoires enfin, qui servent de trame de fond aux nouvelles, se passent dans le monde entier. Et aussi dans toute l'Algérie, bien entendu. Non, mais de toute façon, le choix du coup, qu'on retrouve dans toutes vos nouvelles, y compris quand à un moment donné, dans une de vos nouvelles,
Il y a même un couffin de métal. Oui. Mais ce qui est intéressant dans le mot couffin, c'est que c'est tressé. C'est que un couffin, généralement, quand on pense au mot couffin, on sait qu'il est tressé. Et donc, vous avez tressé vos nouvelles de cette même façon. Hein, avec dites, et généralement, les beaux couffins sont tressés de plusieurs couleurs. Hein, en osier, qui sont peints ou naturels. Et on voit bien là, dans votre ouvrage, surtout dans une de vos ouvrages, dans une de vos nouvelles ouais. qui se passe dans le métro, c'est très coloré. Oui, d'où le choix de la couverture aussi. Oui. Mais pour revenir à la citation de Théance, j'ai voulu aussi référer à mon propre parcours. J'ai fait des études de sociologie, et en spécialisé en sociologie urbaine. Donc évidemment, on a fait de la socio, de l'anthropologie, et je me suis toujours intéressé, je continue à m'intéresser aux êtres humains en général. Et j'ai fait ensuite du journalisme, ce qui est forcément un rapport à l'humain, du journalisme culturel et aussi de société. Et donc il y a cet aspect de rapport à l'humain, et aussi parce que en racontant, en écrivant, je me rends bien compte que nous, Algériens, je veux dire, nous avons un rapport très particulier à ce qu'on appelle la spécificité. On est à la fois spécifique, parce que comme tout peuple, nous avons une histoire particulière, et la nôtre est d'une richesse incroyable. Elle a donné lieu à des situations, des cultures, des coutumes, des pratiques, des comportements qui sont à maintes égards, je veux dire, particuliers, mais en même temps, on cultive ce particularisme, j'allais dire. Et alors que nous ne sommes que des humains comme d'autres, et que c'est l'histoire qui, à un moment donné, fait que une société évolue dans un sens ou dans l'autre, et c'est on est particulier, mais aussi nous avons nos semblables, et ça, nous l'oublions souvent. On vit assez, malgré l'ouverture des nouvelles technologies et tout, il y a toujours, on cultive cette spécificité. Et donc, reprendre la phrase de Théance, « Je suis homme et rien de ce qui est humain ne m'est étranger », c'est super important. Surtout que nous-mêmes, maintenant, nous sommes étrangers ailleurs, puisque nous avons des communautés qui sont... non plus seulement en France, mais en Belgique, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, et maintenant on trouve des Algériens dans des lieux insoupçonnés. Je veux dire, et enfin, je voulais rendre hommage à cet homme, Théance, qui est connu comme auteur latin, qui a été un des plus grands poètes de Rome, mais qui était un Amazigh, oui. Et qui est né donc de ce côté de notre côté, dans notre, je pense à la frontière tuniso-algérienne ou algéro-tunisienne. Il n'y avait pas de frontière de toute façon. Oui, voilà. Non, pour situer. Et qui a été vendu au marché aux esclaves, tout petit. Et il a eu la chance, ce petit esclave, d'être acheté par un sénateur de Rome qui avait un enfant turbulent et à qui il voulait offrir un jouet, quoi. Un compagnon de jeu, mais un jouet, puisque... Et il s'est avéré que ce garçon, venu de la terre maghrébine, disons, s'est retrouvé à Rome et a appris le latin à un niveau supérieur à celui des Romains. Et voilà. Et pendant longtemps, quand on parlait du latin, on le citait, comme on dit, la langue de Shakespeare ou la langue Oui, c'était la langue de référence. C'était la langue universelle. Oui. C'était la langue universelle. Jamais aucun empire au monde n'a été aussi grand et aussi induit dans les... Avec ce qui est très étrange, dans l'Empire romain, il ne faut pas oublier
le fameux décret de, je sais plus si c'était Caligula, de donnant la entre guillemets la citoyenneté romaine à l'ensemble des populations de l'Empire qui étaient sous la domination de l'Empire romain. En tout cas, ça me rappelle une très belle poésie, enfin un vers d'une poésie de Aragon qui va dans le même sens, où il dit à un moment donné, je me balade à travers le monde, et quand je reviens en France, j'arrive où je suis étranger. Ah bon, je ne connais pas, franchement. C'est magnifique, cette poésie, parce qu'il fait balader son personnage à travers le monde, et quand il revient, il dit « j'arrive où je suis étranger », parce que j'ai bu tout ce qui est universel, et quand je me retrouve chez moi, en fin de compte, c'est ça la véritable spécificité aussi. Ouais. Il y a cette part d'universel qu'il faut introduire absolument. Mais j'ai pas ce problème, je me sens tout à fait bien en tant qu'Algérien. Mais je veux dire, la richesse de la culture universelle, elle s'adapte. Elle s'adapte. Ne met pas de côté. Absolument. Alors, il y a une nouvelle d'ailleurs qui est très typique de cela. C'est les trois types d'embarras. Ah oui. Alors, elle est extraordinaire, cette nouvelle. Parce que c'est justement cela. Le type, il est par son grand-père. Il est mis complètement dans 1000 ans d'histoire et de tradition, notamment en pays berbère. C'est immuable, c'est comme ça, c'est une codification. Son grand-père lui dit il faut que tu apprennes ça, parce que c'est toi qui va être mon élève. C'est toi, moi demain je meurs. C'est toi qui vas continuer ce travail. Et puis... C'est un personnage qui, dans son enfance, sa jeunesse, allait passer des vacances chez son grand-père. Tu lui apprenais... Kabylie. Et son grand-père était un sage du village qu'on appelait pour trancher les différends et les litiges. Tout conseil... donc il l'emmenait... En lui disant, un jour tu vas, on ne sait jamais, je serai plus. Eh ben, c'est pas qu'on ne sait jamais, on sait. Non, mais c'était un cadastre vivant. Voilà, tout à fait. Il disait, il y a 12 mètres carrés là qui appartiennent à un tel. Mais il y a un problème de figuier ou d'olivier qu'il faut. On ne peut le saigner que le greffer que 3 fois par an, ne l'oublie pas. Il appartient à la famille un tel, etc. Alors, je veux dire, avec une mémoire absolument extraordinaire. Puis lui, Et quand son grand-père meurt, il se dit, j'espère que personne ne va venir me demander de témoigner un jour sur des choses dont il ne se rappelle pas forcément. Comme tu le dis, d'un niveau de détail impressionnant. C'est un rocher, un arbre... pour délimiter, partager. Connaissant toutes les familles, qui s'est marié avec qui, qui est l'ascendant ou le descendant de qui. Tout un savoir. Et lui, il dit non, je veux pas savoir, je veux pas rentrer là-dedans. Mon grand-père m'a laissé un héritage terrible. Moi, j'en suis incapable. Non, absolument. Et j'ai beaucoup aimé cette nouvelle parce que, justement, c'est. T'es arrivé à un moment donné où plus de 1000 ans d'histoire, ou 2000 ans d'histoire peut-être, sont rayés de la mémoire. Où la ville l'a mangé. La ville l'a mangé, non, parce qu'il est né en ville. Oui, mais la ville a mangé cela. Ce qui disparaît, en fait, c'est les pratiques elles-mêmes. Parce que maintenant, les gens ont recours au service du cadastre, ils ont recours à des notaires. Ils ont recours à la justice, quand il y a conflit. Ça se perd, cette richesse
dans même en milieu rural, ça se perd. Voilà. Oui, ça n'existe quasiment tout plus. Ce qu'on appelait le droit coutumier, les djemats qui existaient dans les villages, et toutes les formes d'organisation. Avec le sage qui tranchait. Oui. Qui disait, non, c'est pas ça. Et on trouvait ça partout en Algérie, je veux dire, sous des formes diverses. Mais il y a toujours eu des instances populaires de la communauté qui réglaient les problèmes. Ce qui était extraordinaire, Amézienne, c'est que même sous l'époque de la colonisation, le gouvernorat colonial n'arrivait pas à casser cela. C'est-à-dire qu'il se disait, on sait qu'il y a un litige pour un bout de terrain, là, etc. Et tout ça. Puis il se disait, bon, il vaut mieux les laisser entre eux régler ce problème, parce que c'est inextricable. D'abord, on ne comprend rien, et c'est inextricable. Alors, l'attitude du pouvoir colonial, bon, d'abord, il faut dire que la colonisation chez nous a été d'une violence inouïe. Pas seulement sur le plan militaire, on cite toujours les victimes, la guerre et tout, mais la violence profonde, durable, qui a été exercée par la colonisation, celle qui a consisté à casser toutes les structures, justement. Donc ils ont toléré, mais en même temps, ils ont essayé d'instrumentaliser ces instances et tout, comme ils ont essayé d'instrumentaliser les Zaouïettes, comme ils ont essayé d'instrumentaliser... Ou berbères, entre guillemets, avec arabes, entre guillemets. Oui. Ce qui ne veut rien dire. Gens du Sud contre gens du Nord, voilà. Etc. Donc il y a eu cette... effectivement. Alors, votre première nouvelle, vous commencez par justement une sorte de nouvelle traditionnelle, je dirais, sur le côté. C'est une prédiction. Une prédiction d'un vieux sage, d'un chir, qui leur dit un jour, voilà, c'est sous forme de... C'est le sphinx. Hein, c'est une énigme. Hein, disons que c'est un vieux monsieur, un cher, comme on dit, qui est dans son village, du côté de... à l'ouest du pays, est crédité de prévoir les événements. Il y en a eu tellement de gens comme ça, il y en a encore. Je veux dire, partout, il y a des personnes qui disent « j'ai fait un rêve qui est prémonitoire » ou « j'ai une vision » et tout, bon. Et qui, évidemment, comme je le dis, les gens oublient ce qui ne se réalise pas. Oui. Mais il suffit qu'une fois. Ça se réalise. Ça se réalise pour que la personne soit... Et parfois, c'est des pensées, comment dire... qui n'ont rien de prémonitoire, mais qui relèvent d'une intuition et d'une prescience, je dirais, extrêmement élevée. Par exemple, dans le village... Vous me parliez tout à l'heure de sociologie. Excusez-moi, c'est en même temps ces vieux sages. Hein, c'était en même temps des mentalistes, des psychanalystes et des sociologues. Aussi, oui. C'était le gens tout. Qui observent, qui ont une sensibilité particulière. Ouais. Par exemple, il y en a un dans le village de mes ancêtres qui avait dit un jour, un jour, un chat ira de notre village jusqu'à Béjaïa de toit en toit. Ça vous le racontez d'ailleurs dans la nouvelle. Et ça se réalise, puisqu'il y a une urbanisation incroyable. Et en plus de ça, les gens construisent le long des routes nationales. Et donc maintenant, oui, il n'y a plus des villages isolés, c'est des conglomérats semi-ruraux, semi-urbains, qui se sont... Oui, le chat peut effectivement aller de faire 200 km pratiquement sans jamais toucher terre. Voilà. Alors, mais là où ça devient presque ubuesque dans votre nouvelle, c'est que la prédiction, c'est de dire dans ce petit village, dans la région de Schleff, elle en dit, si vous ouvrez une boulangerie, parce qu'il n'y en avait pas de boulangerie, hein, dans tous les autres villages, il y avait des boulangeries, si vous ouvrez une boulangerie, tous les malheurs du monde vont vous tomber dessus,
en gros. Hein. Ouais. Et alors, j'adore cette nouvelle, parce que vous parlez, vous dites oui, il n'y avait pas de boulangerie, parce que de toute façon, c'était les femmes qui pétrissaient la pâte et qui faisaient d'excellentes galettes. Hein. Mais le monde a changé. Ouais. Maintenant. Mais le monde a changé, puisque déjà la télévision est entrée. Ouais. Et donc les femmes voulaient aussi avoir le temps de regarder la télé. Pour la plupart, quand elles n'ont pas la possibilité de sortir, c'est l'instrument de loisir le plus évident et celui qui a attiré, même quand il n'y avait qu'une seule chaîne à l'époque. Et donc, elles n'ont plus trop le temps de se consacrer à... C'est incroyable ce que faisait une femme auparavant, à ce qu'elles font encore de nos jours. Je veux dire, c'est... Pour faire la galette, il fallait une journée. Enfin, ça prend moins de temps. Je ne sais pas si tu as essayé, mais... Mais quand il y a beaucoup de monde, on doit en faire plusieurs et tout. Mais je veux dire, ce qui m'a intéressé déjà, c'est de marquer le fait que... De toute façon, ce n'est pas propre à l'Algérie. Ah. Mais les boulangeries, c'est une création moderne, parce que dans tous les peuples, le pain à la maison. Oui, à la maison. Le pain c'est devenu une industrie. Oui. Donc il va faire cette prédiction, disons, et en disant il a t'amr bazana, namous et kharijmet damous, ou dniyet et gelb. Voilà, en arabe, c'est ça. C'est ça. Et cette nouvelle, je l'ai écrite en me mettant à la place d'un gouel, c'est-à-dire un diseur sur une place de marché. Je l'ai écrite deux fois en vain. C'est-à-dire deux fois, ce que j'ai fait ne me plaisait pas. C'est-à-dire, j'avais la structure, c'était bon, ça, l'histoire se tenait, etc. Mais... C'était fade. Et moi-même, je me sentais pas à l'aise avec ce texte. Et je me suis dit, puisque c'est un gouel qui parle, tu vas essayer d'imaginer comment il l'aurait dit en arabe, ouais. Ou en kabyle, ou dans un marché. Parce que c'est pas la même façon de dire, c'est pas la même façon de présenter les choses. Et en fait, je me suis dit, c'est un récit oral, ouais. Entre guillemets, que je mets par écrit. Et il fallait que je passe par la langue, la structure de la langue. Mais généralement, dans les marchés, avant, hein, maintenant c'est justement presque plus du tout. Il y en a quelques-uns. Oui, il en reste encore. On m'a signalé dernièrement des gouels au marché, aux bestiaux de... comment ça s'appelle ? Tsouger. Ah, Tsouger, oui, c'est possible. Voilà. Oui. On m'a dit qu'il y avait encore des gouels qui venaient. Ouais. J'ai pu assister, mais c'était il y a très longtemps, je parle des années 70, près de Sarchelala, ce qu'on appelle Zmelet Lemi Abdelkader Taguin. Ah, d'accord. Au marché de Taguin, qui est un grand marché à bestiaux. Ah, je connais. Et donc il y a un marché pratiquement une fois par mois. C'est un petit village, c'est rien du tout. Ben si, parce que c'est un des plus grands marchés à bestiaux de la région. Et c'était fascinant parce que c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans votre nouvelle, c'est qu'il commence toujours par dire « Je vais vous raconter une histoire, ceux qui ne me croient pas, hein, eh bien, ils vont s'en mordre. » Et la langue et les doigts, c'est-à-dire d'abord il invective. Et si vous pensez que je mens, hein, si vous pensez que je vous raconte une histoire à dormir debout, eh ben allez, dégagez, hein, ou vous allez voir, le ciel va vous foudroyer. C'est extraordinaire. Non, les gouels, comme tous les diseurs qui ont existé dans d'autres sociétés, d'autres cultures. Ils ont un sens très particulier de l'apostrophe. Comment attirer les gens, je veux dire, avant de raconter leur histoire, ils doivent intriguer. Il faut que les gens s'amassent autour de lui. Et pendant qu'ils s'amassent, qu'ils l'entourent,
il doit continuer à tirer l'hameçon, quoi, si ouais. je puis dire. Il commence presque par le mystère. Attention, ouais. c'est un mystère qui ne dépend ni de vous ni de moi, c'est un vrai mystère profond, et si vous pensez que c'est une histoire à dormir debout, vous allez voir que... C'est presque à la limite de la menace. Ouais. Hein. Et c'est ce qui attire les gens. Hein. Ouais. Parce que si je leur dis, je vais vous raconter une belle histoire, etc., les gens vont dire, bon ce n'est qu'une histoire. En fait, il les implique. Ouais. Voilà, c'est ça. Écoute. Ouais. Écoute ouais, ce que je vais te dire, parce que c'est important, parce que ça te concerne. Et alors là, bon, je vais pas raconter l'histoire dans le détail, mais elle est savoureuse. Elle est savoureuse. Ben, merci. Parce que vous mêlez en même temps cette histoire de femme qui dit, bon, oui, bon, nous, on voudrait regarder un peu la télé, et puis ça met du temps de faire la galette, et puis secondo, on se brûle les doigts, on se brûle les mains. C'est fatigant, on a plein de blessures, etc. Puis il y a les enfants qui descendent dans la vallée. Ils disent, il y a du bon pain croustillant là-bas. Il y a la baguette, quoi. Bon. Et dans le goût, dès qu'il leur dit la baguette, le pain des Roumis. Des Roumis. Parce qu'effectivement, à l'origine de la baguette, elle n'est pas... Ben ouais. C'est pas de chez nous. C'est pas de chez nous, non. Du tout. Pas du tout. Ouais. Alors, est-ce que la prophétie du Chir va être vraie ou pas ? Elle va se réaliser, oui. Ben, oui, parce que vous mettez parce qu'il leur dit, c'est pas vous qui allez... Le ciel ne va pas vous foudroyer à vous, mais c'est ailleurs. Si vous ouvrez une boulangerie, c'est comme la théorie des dominos. Vous allez en cascade déclencher des malheurs. Donc c'est pas seulement le village. Voilà. Alors, à la limite, ça devient du cloche-merle à un moment donné. Parce que disent, oui, mais si c'est l'État qui ouvre la boulangerie, si c'est la mairie, c'est pas nous, c'est l'État. Donc, nous... Oui, mais en quoi c'est pas du cloche-merde, c'est que chez nous, ça... C'est le Bailica. Oui, on continue de nos jours à utiliser des mots qui sont lourds de sens. Hein? Quand on dit Tarigil Beylik, ou là, je sais pas, Interintal Beylik, c'est-à-dire qu'on continue à considérer la chose publique comme avec des concepts qui remontent à la période ottomane. Mais vous savez que jusqu'à maintenant, c'est comme ça. Hein. Ouais. Je peux vous dire que dans ma région, il n'y a pas très longtemps de cela, j'étais avec un paysan, donc mon père avait des terres, et donc je lui ai posé la question et je lui ai dit, bon, mais ça va d'où à où les terres de mon père ? Alors il me dit, ça va, je lui ai dit, mais là, après, il y a de Tarbellik. Je lui ai dit, oui, je suis un Tarbellik. Quel état d'où là ? C'est marrant. Oui, en plus, quand ça remonte à... Comme ça remonte à l'époque ottomane. Eh oui. Et où le pouvoir était, avait d'abord un système fiscal. Ben oui, parce qu'il fallait atroce. Payer les impôts, oui. Atroce. Et donc là, on continue à utiliser un concept qui lie l'autorité à la puissance, mais négative. C'est ça. Par exemple, les gens ils disaient. Balek el Baylik. C'était une formule, et donc c'est resté. c'est incroyable, parce que ça fait 2-3 ans. Hein. Le vieux paysan disait le mot t'as le Baylik. Pour lui, ça veut dire bon, ces terres, ce sont des terres nationalisées qui appartiennent à l'État. Mais elles n'appartiennent pas à quelqu'un de la région. Ouais. Hein. C'est pas.
Elle est savoureuse. Vous commencez par une nouvelle. Merci. Alors, pendant toute l'émission, on n'aura pas le temps de voir, évidemment, l'ensemble, et ce n'est pas le but de l'émission, de voir l'ensemble de vos 13 nouvelles. Mmh. J'en ai pris quelques-unes, comme ça. Vos amours de lecture. Oui. Ah, ça. Non, c'est la maison qui offre, c'est vos amours de lecture. Oui. Oui, parce que de toute façon... Vous mettez en scène un des plus grands écrivains au monde. Oui, parce que je voulais lui rendre hommage d'une manière indirecte. Je voulais aussi poser des questions, parce que c'est pas seulement une nouvelle sur la littérature. Non. C'est aussi une nouvelle sur la vieillesse. Ouais. Et comme je suis candidat à la vieillesse, donc voilà, ça commence à m'interpeller et je voulais donc voir comment ça s'articulait, ça pouvait s'articuler dans la vie d'un homme, surtout d'un homme très connu. Et voilà, donc oui... Tu me dis que lecteur et écrivain, il n'y a pas d'écrivain qui n'a pas lu. C'est impossible. C'est rare d'ailleurs. La plupart des écrivains sont de gros lecteurs. Sont ou ont été de très grands lecteurs. Ouais. Et donc c'est la mais c'est lecture. Pas, tu sais, c'est pareil hein, pour les plasticiens, enfin ce que j'appelle tout simplement les artistes peintres. Oui. Ils ont tous commencé par faire des copies des grands, que ce soit Picasso ou Dali, la première chose qu'ils ont commencé à faire, c'est de faire des copies de Velázquez ou de Goya. Dans l'école des Beaux-Arts, on commence par la ronde bosse, on recopie des statues, du Michel-Ange, on refait du Botticelli, c'est comme ça, hein. Donc c'est comme fatalement, ça qu'on apprend. Les... Mais là c'est quand même assez différent de votre nouvelle. Hein. Parce qu'il y a du suspense. Parce que c'est vers la fin qu'on sait. C'est qu'au début, c'est un homme célèbre qui est obligé de sortir pratiquement de son lit de grabataire. Hein. Pour construire avec un vieux copain de combat, Romero, une folle idée. C'est-à-dire une escapade. En fait, une fugue. C'est une fugue. Tardive. Les derniers moments. Et comme ils ont des souvenirs de militantisme, alors ils ont appelé ça l'opération folle idée. Folle idée. Parce qu'au départ, l'un d'entre eux a dit « Attends, mais c'est... » une idée folle, et l'autre lui a dit, ben, faisons cette folie. Organisons la folie, en fait, c'est ça. C'est ça. Avant de mourir, je voudrais avoir une dernière folle idée. Eh ben voilà. Cette nouvelle m'a étonné. L'odeur du voyage. Ah. Elle est très belle parce qu'on ne comprend cette nouvelle qu'à la fin. Ben, c'est un peu le but aussi des nouvelles. Ça, c'est vrai. Je veux dire, les nouvelles, soit la chute est très importante, soit elle dévoile quelque chose, la chute, soit elle règle un conflit qui a été abordé dans le texte. Donc là, oui... Là, effectivement, à la fin, c'est quelqu'un qui prépare sa valise pour un voyage. Mais alors, de façon méticuleuse, avec une liste, hein, vêtements, affaires de toilette, qu'est-ce que je vais lire. C'est un voyageur impénitent. Tu sais, ça me fait rire parce que, en fait, je l'avoue quand même. C'est vous, hein. C'est moi, parce que oui, je suis tellement brouillon quand je fais un voyage que. Et puis j'ai des expériences un peu désastreuses. De voyage, j'ai oublié. Bon, quand on oublie une brosse à dents, ça va, ça peut se trouver. Une brosse à dents, ça peut se trouver un peu partout dans le monde.
Mais quand on se retrouve chez les Inuits et qu'on a dans sa valise à Bermuda, c'est compliqué. Ouais. c'est ce qu'il dit, le gars. Ouais, en imaginant le pire. Et donc j'avais inventé cette méthode des quatre colonnes. Ouais. Donc les papiers, parce que pour ne pas se faire avoir, il faut vérifier son passeport. S'il y a des visas maintenant, etc. Ensuite, les vêtements, parce qu'il faut bien se changer, s'habiller. Donc, la météo. Prévoir. Ensuite, les divers, il y a des tas de choses. D'ailleurs, c'est dans la colonne divers qui est la plus compliquée. Ah oui, parce que... oui, c'est quoi, divers? Divers, c'est un bouquin qu'on prend. Je raconte comment il prépare sa valise. Mm. Et en même temps, il pense au monde. Et au monde qui se renferme. Et il se rend compte, au moment où il fait sa valise, que quand il faisait ses premiers voyages, il était libre. Mmh. Enfin, les gens étaient libres, ils étaient plus ou moins libres. Ils allaient dans un pays, ils pouvaient traverser la frontière voisine, ils pouvaient, et comme il dit lui, il dit le monde se claque-mur. Ouais. C'est-à-dire, il est en train de s'enfermer, et en même temps, il évoque ce qui, pour moi, constitue un paradoxe terrible du monde actuel, c'est que nous sommes dans la période de l'humanité où nous avons les plus grands moyens de communication. Ouais. C'est impressionnant. Dernièrement, j'étais en voyage. Moi, je n'ai pas de portable perfectionné, mais j'avais un ami qui m'a permis de parler avec ma fille et de la voir et de trucs. Bah, je sais que c'est tout à fait courant. Pour les vous gens pouvez aller dans n'importe quelle ville au monde. Si vous avez un GPS sur votre... vous pouvez... On vous dit, tiens, tu vas à Lahore. Je dis Lahore parce qu'à un moment donné, vous citez à l'opéra Le Roi de Lahore. Mais je dis, je vais à Lahore. Je cherche sur ma tablette perfectionnée. Ouais. Qu'est-ce que c'est que la rue Rabat-Khan-Bigorre? Je vais la trouver, hein. Mais pour nous, c'est énorme. Je parle de notre génération. Déjà, la génération qui nous précède, ils ont connu l'électricité, le train, l'avion, l'eau courante, la télévision, la TSF avant la télévision, le téléphone. Je veux dire, déjà, la génération qui nous précède a connu un choc. Sur le plan technologique. La nôtre aussi. Parce que si tu te souviens des livres de science-fiction qu'on lisait quand on était adolescent, ils parlaient à l'époque déjà du portable et qu'il y aurait un jour. Et nous sommes dans ce monde maintenant où la télécommunication la plus instantanée, la plus directe, la plus mondiale est possible. Mmh. Et en même temps, les frontières se ferment. Et ça, c'est un paradoxe atroce. Et on le voit avec les jeunes aujourd'hui, quand on parle des haragas, etc. Souvent, je vois que l'analyse qui prédomine, c'est le discours économique et social. Oui, il y a trop de chômage, donc les jeunes se barrent et ils prennent le bateau, etc. Il n'y a pas que des raisons économiques et sociales. Non, non. Il y a aussi ça, et ça se vit à l'échelle de la planète. C'est-à-dire qu'au moment où l'humanité a les moyens les plus développés pour échanger, se connaître, se comprendre, on est en train de s'enfermer. Et on voit remonter des idées du Moyen-Âge ou de temps passé, voilà. Le mur. Le fameux mur. Oui, le mur. De Trump. Oui. C'est inimaginable, quoi. Je veux dire, au moment où, tout, logiquement, on peut passer d'un monde à l'autre instants... Quand on analyse ça, sur le plan de l'histoire, on voit, par exemple, qu'en 89, le mur de Berlin est tombé. Détruit. Il est tombé et les Américains ont fêté ça. Ouais. D'ailleurs, il y a le fameux discours de Kennedy à Berlin-Ouest,
Ich bin ein Berliner. Voilà, je suis un Berlinois. Et donc, ils ont pris ça très à cœur. Et cette nation qui se dit le monde libre, aujourd'hui, un président qui veut fermer le monde, faire un mur. Il y a le mur aussi en Palestine. Oui, c'est terrible. Et donc, c'est des couloirs de murs. Pour un mur qu'on a perdu, celui de Berlin, on est en train d'en construire partout. Mais Yann, je ne sais pas si tu te souviens, il y a moins d'un siècle, je pouvais partir de Casablanca en voiture et aller jusqu'à, qui appartenait à l'époque à la Jordanie, jusqu'à Al-Quds, jusqu'à Jérusalem, en voiture, sans jamais montrer un seul de mes papiers. Oui, mais nos parents, enfin la génération, ils partaient le Hajj par bus. Par voiture, par bus. La plupart des gens allaient en bus, d'ailleurs. Oui. Il y avait des... sans jamais présenter à peine une carte d'identité. Ouais. C'est incroyable. Alors qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le monde arabe, le monde à 90% des pays du monde arabe, je suis obligé d'avoir un visa. Ouais. C'est bon. Déjà, au Maghreb, on n'arrive pas à circuler, donc. Enfin. Mais la belle idée de l'odeur du voyage, c'est que ce Farid, en préparant sa valise, ses affaires, son listing, etc., et tout ça, il y a une l'idée, c'est pas tant de voyager et d'arriver. C'est l'idée de partir. Ouais. C'est ça qui est important. C'est justement de ne pas rester enfermé. Et oui, parce qu'il se dit le monde devient déjà monotone. Ouais. Déjà avec Internet, on brise tous les mystères. Ouais. Ça, tu vas, tu peux visiter, tu peux aller dans la chambre de l'hôtel où tu vas aller. Tu peux réserver, tu peux voir les toilettes, tu peux voir l'armoire de cette chambre, tu peux voir la vue de la fenêtre, tu peux voir le musée qui est à côté, tu peux voir... Je veux dire, c'est à la fois c'est pratique, c'est sûr que c'est pratique. Oui. Ça évite les mauvaises surprises. Mais lui, il se dit, ça évite les mauvaises surprises, mais ça évite aussi les découvertes. Ben et oui. C'est quoi un tu voyage Tu ne découvres pas les gens. C'est quoi un voyage si ce n'est non, tu ne découvres... de découvrir tu ne découvres plus les gens. Ouais. Allez, je suis un gros menteur. Je peux, dans une discussion, en prenant un café avec plus ou moins des personnes qui ne me connaissent pas très bien, je peux parfaitement dire j'ai passé 15 jours à Santiago du Chili. Et en décrivant rue par rue, monument par monument. Absolument. Parce que je l'ai vu via Internet. Et je pourrais dire, j'étais à tel hôtel. Mmh. Et juste à côté de l'hôtel, il y a un petit resto qui vous fait de ces plats absolument divins. Et le gars va me dire, ah, t'as de la chance, t'es parti à Santiago du Chili, toi. Oui. Ah oui. Oui. Alors que, mais si jamais il me pose la question, oui, là, est-ce que tu as connu des gens à Santiago du Chili, là c'est plus compliqué. Oui. Est-ce que tu as eu des rapports humains? Oui, mais là tu évoques l'utilisation d'une possibilité sur Internet à des fins, disons, de mise en valeur et tout. Non, moi ce qui m'inquiète, c'est par rapport à l'être humain. Dans un pays, pour rencontrer des gens. Les pays que je visitais avant, j'en avais connaissance, j'avais lu, lu sur ce pays, je m'étais renseigné et tout. Mais là, on est dans un étal, on étale tout. Et donc, étaler tout, voilà. C'est comme, je sais pas, moi je suis comme ça en tout cas, les gens font comme ils veulent, mais moi je ne peux que constater ce fait... De la même façon que j'ai jamais voulu savoir le sexe de mes enfants, je trouve que l'échographie, c'est un truc génial. Ça permet de régler des problèmes de santé, mais j'ai jamais demandé le sexe de mes oui, enfants. C'est plus de mystère. Ça enlève une des joies, une des...
C'est, je veux dire, on est en train d'appauvrir la vie à force de vouloir tout savoir, tout, 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 et tout de suite. Ah oui, 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 c'est maintenant. Et donc, c'est... Bah, c'est... S'il n'y a plus cette poésie... Bah, bon. Tu sais, c'est cette fameuse, comment ça s'appelle, édition, les mathématiques pour les nuls, les machins pour les nuls, les trucs pour les nuls, c'est-à-dire on fait un condensé, voilà ce que vous devez savoir sur cela. Hein, vous pouvez dans les salons en parler pendant des heures. En regardant, oh là là, le gars, qu'est-ce qu'il s'y connaît en astronomie, hein, mais, alors que vous n'avez fait strictement aucune recherche. Voilà ce que vous savez, c'est comme les livres que je déteste le plus, les 100 films que vous devez absolument voir. Mais merci de... Je me rappelle, moi, au lycée, il y avait horrible. Un bouquin qui était usé. Mais alors, usé, parce que tout le monde voulait... C'était comment briller en société. Et tout le monde le prenait parce que... C'était Zama, tu vois. Voilà, avec des trucs les livres, le livre des bonnes manières. Bah, ça c'est... Encore que ça, je ne serais pas contre qu'on en fasse maintenant. Hein. Sincèrement, parce que les bonnes manières, oui, c'est m'aider, hein. Oui, mais enfin, généralement, ce genre de livre, c'est savoir comment faire la révérence à la reine d'Angleterre. C'est ce qui me semble... Non, mais dire bonjour à son voisin, c'est pas oui, mal. Oui, non, ça c'est autre chose. Parce que la reine d'Angleterre... Alors, qu'on fasse un livre sur de la bonne civilité, ça oui, je suis d'accord. Mais le livre des bonnes manières, pour savoir comment je dois faire la révérence 3 fois à la reine d'Angleterre, je sais pas si dans ma vie, un jour, j'aurai à faire la révérence à la reine d'Angleterre. Sait-on jamais. Ça sait-on jamais. Bon. Alors, j'écrirai une nouvelle à ce moment. Sarah Kafka et la nouvelle. Celle-là aussi, elle est... Ah, Kafka. Alors, elle est terrible, celle-là. Oui. D'abord parce que personnellement, elle m'a touché. Tu doutes bien pourquoi. Oui, je sais. Je sais, et je voulais te dire que la semaine dernière, j'ai rencontré Yasmine Khlat. Au Maghreb des livres. Non. Et oui, elle est écrivain. Et je lui ai passé le bonjour de ta part sans que tu me l'aies demandé. Ah bah ça c'est et elle le passe, voilà. Ça c'est avec qui tu avais joué dans Mahla. Et voilà, et j'étais heureux de la rencontrer, de voir ce qu'elle écrit. Et c'est vraiment, ça fait plaisir. Oui, elle a même reçu des prix. Hein. Oui, c'est très bien. C'est formidable. Oui, alors cette nouvelle... Là, c'est du réel, hein, je veux dire. Ah oui, ça... C'était pendant... J'avais reçu un message sur ma messagerie internet de Beyrouth. C'était une jeune femme en plein bombardement de Beyrouth qui a dû envoyer ça, je sais pas moi, au monde entier. Bon, mais j'étais, je sais pas comment... Destinataire. Sur par sa hasard, liste peut-être. Ou par hasard. Sorte de mailing. Et elle racontait en même temps. Hein, c'est-à-dire, je me rappelle, il faisait très chaud à Alger ce jour-là. J'avais pas de clim. Et je reçois ce message qui racontait. Elle disait, voilà, je suis sous une table et il y a des chasseurs israéliens qui passent, qui bombardent. Et elle dit, voilà, je suis devenu un moustique. Elle s'est métamorphosée et de là vous passez à la métamorphose de Kafka. De Kafka, oui. Et vous dites en fait combien il y a eu d'études qui ont tenté d'expliquer cette fameuse nouvelle de Kafka si complexe. Et c'est incroyable parce que le mail de Sanaa, cette jeune Libanaise qui subit les bombardements, elle a trouvé la plus belle explication. Je suis un moustique. Je me suis transformé en un moustique. Ouais. Et tous les gens qui sont autour de moi deviennent des moustiques. Et d'aucuns sont évidemment des suceurs de sang. Et ça finit, votre nouvelle se finit comme cela. Ouais. Et je lui ai répondu, bien sûr. Ouais. J'ai essayé de trouver des mots. Qu'est-ce qu'on peut dire d'intelligent et de... Il y a des situations, des fois, où, dans la vie, où
Non, un regard, un geste a plus de valeur que des paroles. Ouais. Mais parce que dans son cas, je sais que mes mots, ils avaient l'air de rien. Mais en tout cas, il se trouve qu'aujourd'hui, on a gardé le contact. Et que... Ah oui. Ah oui, oui. Oui, ouais, je suis... Sanaa est productrice de télévision dans les pays du Golfe. Et elle réussit assez bien. Hein, et on s'écrit de temps en temps des échanges. On ne s'est jamais vu, mais bon, c'est pas important. Il ne nous reste pas beaucoup de temps, malheureusement, Abdel Fadhani. Je voudrais revenir sur... sur votre écriture dans ces 13 oui. nouvelles. Alors, par rapport aux traverses d'Alger, c'est pas du tout le même type d'écriture. Je pense que vous en êtes peut-être pas rendu compte consciemment. Je retrouve cette écriture. Ouais. Que j'adore chez toi, qui est cette écriture où il y a un grand grain de folie, une écriture où tu n'hésites pas un seul instant. Disant bon, si je dis ça, on va me dire oui, tu mets ton savoir devant, etc. Pas du tout. Tu cites beaucoup de références, que ce soit cinématographique, qu'elle soit littéraire, musicale. Et ça, j'ai beaucoup aimé, parce que tu dis, avec ce que j'appellerais la grande franchise intellectuelle, oui, j'ai été formé par tout cela. Mmh. Ce que j'écris dans mes nouvelles, d'abord pourquoi je renierais cela, et secondo, oui bien sûr, c'est pas ex nihilo, mon écriture ne vient pas ex nihilo. J'ai vu des films qui m'ont marqué, j'ai écouté de la musique qui m'a marqué, j'ai lu des livres qui m'ont marqué, j'ai écouté des citations qui m'ont marqué, et j'ai vu des situations... On est le fruit de tout ça. Oui. Tout individu est le fruit de ça. Et moi, quand j'écris, j'ai envie de dire mon bonheur d'être algérien. Je sais que ça ne court pas les rues, ça ne veut pas dire que je suis heureux de l'être entièrement. Comme tout le monde, on a des choses à se reprocher ou à reprocher, de toute manière. Mais j'ai conscience d'un grand bonheur. Pour moi, c'est celui d'être capable, par exemple, d'écouter le chant des femmes Chewi a cappella et d'être ému de ça, comme d'écouter Vivaldi ou je ne sais pas qui, d'écouter du jazz, d'écouter du shabi, d'écouter du raï, d'écouter... Franchement, je cherche encore quel est le peuple dans le monde qui a une amplitude. Je prends que l'exemple de la musique. La musique, ouais. Parce que c'est quand même l'art le plus... qui a l'amplitude musicale que nous avons. Il n'y a pas un genre de musique au monde, pratiquement, qui n'a pas une présence en Algérie, soit dans les programmes de radio, soit chez les gens, soit qu'il y ait des groupes ou des concerts. Et ça, c'est une richesse incroyable. Et cette richesse, elle existe dans des tas d'autres domaines. Et si j'ai une chose à dire, moi, c'est que c'est ça qu'il faut qu'on... Notre malheur, en fait, c'est de ne pas avoir encore rentabilisé cette incroyable richesse. Oui, mais parce qu'on a rempli le couffin. Oui, on a... Vous avez rempli le couffin. C'est ça que j'ai adoré dans vos nouvelles. C'est que vous avez rempli, à travers vos 13 nouvelles, Amzienne, tu as pris le couffin, qui est quand même une sorte de grand symbole chez nous. Hein. C'est énorme. C'est énorme, ce que ça veut dire, le couffin. Hein. Moi, je... Et vous l'avez rempli avec, au fond, tapissé...
par ce qui est notre spécificité algérienne, et puis, tiens, je rajoute un peu d'opéra, tiens, je rajoute un peu de Humphrey Bogart de Casablanca, je rajoute Austerlitz. Le Koufa, d'abord, c'est un instrument de civilisation pour moi, de haute civilisation même. Parce que d'abord, aujourd'hui, dans le monde, on parle de développement durable, de respect de la nature, de trucs. Le Koufa, il rentre là-dedans, c'est vraiment du développement durable. Ouais. Quand il s'use et il s'esquinte, tu le jettes. Ouais. Mais dans la nature, il va se décomposer, il va enrichir la terre. Tout à fait. En plus, c'est dans nos traditions. Moi, je rêve de créer un parti pour défendre le Koufa. Du Koufinage. Non, mais sérieux. Du cousinage ou du coup un mouvement pour qu'on jette ces purées de sachets en plastique. Et donc, oui. Et c'est un symbole sympathique qui exprime la famille, qui exprime le partage, qui exprime des traditions qu'on avait avant. Je me rappelle, et on nous disait il faut couvrir. Oui. Ton leçon que tu ramènes à un truc. Parce qu'on te disait, moi je ne comprenais pas, je disais pourquoi je couvre, ça va étouffer. Il me disait non, parce que si tu as un voisin qui est pauvre, c'est ça, oui. Tu vas lui montrer hectare. Bon, bref. Mais en tout cas, c'était. C'est un grand symbole. Énorme. Énorme. On arrive au terme de l'émission, Mesdames Farhani. Bien dommage, parce que d'autres nouvelles dont j'aurais voulu parler avec vous, mais c'est aux futures lectrices et lecteurs de les découvrir. En tout cas, encore une fois, bravo. Vous êtes vraiment fait pour la nouvelle. Eh ben, vraiment. J'adore ça. J'espère que les gens adorent aussi, aiment ça, du moins. Mais je vais la nouvelle, je vais la continuer. Mais on me demande tellement de faire un roman que je vais peut-être en commettre un. commettez. Non, c'est vrai, je dirais. En plus, pour moi, c'est peut-être plus simple d'écrire un roman que. Ah, c'est la chose la plus difficile, la nouvelle. Parce que, ben, c'est du boulot, je ne sais pas si les gens s'en rendent compte, mais c'est du boulot. Hein. Ah non, c'est l'exercice pour moi le plus. Comme ça, c'est pas. Bon. Les Koufaines de l'équinoxe, 13 nouvelles, c'est paru aux éditions Shihab et c'est signé par notre ami Amzian Felhani. Je rappelle, Histoire de la bande dessinée algérienne paru chez Deliman en 2012, ainsi que Traverse d'Alger en 2015 aux éditions Shihab. Merci mille fois. Amzian. Merci, cher ami. Plaisir de te revoir. Bonne très bientôt. Bonne continuation pour l'émission. Et plein de bonnes choses à tous les autres, les spectateurs. Et puis surtout à vos futures lectrices et lecteurs. Merci. Voilà, fin de l'émission. Merci d'avoir été avec nous pendant cette heure. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour un nouveau numéro, comme d'habitude, phrase classique. Donc, semaine prochaine, même jour, même heure, même punition. J'aurai encore un auteur intelligent qui va me rappeler un roman ou une poésie qui vaut d'être lu, bien évidemment. Allez, bonne soirée. Suivez bien les programmes de votre chaîne préférée, Canal Algérie. Merci encore d'avoir été avec nous.